m'appelle Anaïs Leca, j'ai 27 ans, je suis enlumineresse et je représente les Pays de la Loire. J'ai remporté le deuxième prix national du prix Avenir Métier d'Art. J'ai découvert l'enluminure vraiment, on va dire, par hasard au départ. J'étais en reconversion professionnelle et j'ai appris que l'enluminure était encore enseignée. J'avais déjà l'histoire comme passion et je dessinais en autodidacte. Je me suis dit, je vais me donner ma chance, je vais passer l'oral. Et j'ai été sélectionnée. L'école d'enluminure connue sous le nom de l'Institut supérieur européen de l'enluminure du manuscrit se trouve à Angers, où la première année on découvre toutes les périodes de l'enluminure, on pratique la copie, la création, la calligraphie, l'or, la pose d'or, et en deuxième année on crée un manuscrit qui nous sert à obtenir le certificat d'enlumineur. L'œuvre que j'ai présentée est un manuscrit enluminé. Je l'ai appelé Petite chronique médiévale, et en fait c'est un résumé de l'histoire du Moyen-Âge, où j'évoque les rois les plus connus, tout en respectant le style de l'enluminure au cours duquel ils ont vécu. On peut voir différentes spécificités selon les époques, soit dans la qualité du dessin, ou encore aussi dans les pigments qui vont évoluer au fil des siècles et qui ne vont pas être appliqués de la même manière. Par exemple le 15e, où là on va avoir la palette la plus large connue, avec aussi l'utilisation de l'or en coquille, et des méthodes comme le dégradé qui va être énormément utilisé pour cette période. Il y a eu énormément de travail de recherche derrière, j'ai lu énormément d'ouvrages à ce sujet, et j'ai pu aussi contacter quelques historiens et un conservateur de médiathèque pour confirmer mes recherches. La chose qui me rend le plus fière, c'est de voir le manuscrit accompli en entier. C'est quand il a été relié, ça lui donne un cachet en plus, et là, on se dit, c'est concret, c'est réel. Ce que je souhaiterais pour l'enluminure, c'est vraiment que ce soit bien plus connu et que le métier puisse perdurer. Le Seigneur des Anneaux. Oh, bah, je suis pas du tout versée dans ce genre de... Donc non, je passe. Le gâteau de dessert de famille. C'est donc une génoise qu'on coupe en deux, dans laquelle on met de la confiture d'abricot, et en fait, sur le gâteau, on fait un nappage de chocolat fondu.